Je m'appelle Jérémy Sipielewski, je travaille dans une entreprise de production du visuel, de production de contenu. Et à côté de ça, je donne quelques cours de marketing digital à des étudiants et on m'a demandé de vous donner 4 conseils pour lutter contre la désinformation. Premier conseil, la vérification des sources, la vérification des informations. Ça peut paraître tout bête, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'outils qui permettent de désinformer efficacement. Je pense aux deepfakes, je pense aux nouveaux articles qui semblent très bien montés alors que c'est un montage factice. L'idée, c'est de regarder si, par exemple, quand je regarde un article sur un blog, est-ce qu'il est signé ? Est-ce qu'à côté de ça, j'ai d'autres sources qui permettent de croiser cette information ? Donc voilà, allez vérifier vos informations avec d'autres sources d'informations. Le deuxième conseil, ne pas partager. En fait, très souvent, lorsqu'on lit le titre d'un article, on est soit choqué, soit très heureux et on a à cœur peut-être très rapidement de le partager, soit auprès de nos proches ou soit directement dans notre fil d'actualité ou de l'envoyer directement à un contact. L'idée, c'est de toujours prendre le temps de voir le contenu qui est dans cet article ou dans cette vidéo pour regarder si c'est pas, par exemple, parodique, parce que on connaît tous des sites comme Logographie qui vont relayer des titres assez accrocheurs qui, parfois font croire à certaines personnes que l'information est vraie, alors que non. Donc ne pas partager très rapidement une information. Troisième point, utiliser les outils qu'on a à disposition. On a un journal qui s'appelle Le Monde qui met en place un outil qui s'appelle le Décodex, qui nous permet de voir si l'information elle est vraie en croisant d'autres informations. On a un outil qui s'appelle la recherche inversée, pour regarder si une image elle n'est pas réutilisée en fait pour servir un propos. Donc vraiment utiliser les outils qui sont gratuits à notre disposition pour vérifier une information. Et donc le dernier conseil, ce serait de développer notre esprit critique. Tout simplement, en fait, se poser des questions, aller dans les détails. Lorsque vous voyez quelque chose sur les réseaux sociaux, principalement, ben on peut lire les commentaires. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas déjà vu que c'était une fausse information? Et donc, se renseigner un peu avec eux, essayer de croiser un maximum les sources, d'aller dans le détail. Et donc, paradoxalement, pour lutter contre la désinformation, il faut développer notre esprit critique.